C'est très réparateur de pouvoir être ici et de serrer dans mes bras les autres petits-enfants. C'est très beau et ça va bien au-delà de cette douloureuse situation. Nous sommes ensemble, nous avons notre propre identité et nous sommes contents de pouvoir porter notre nom et notre histoire malgré tout. J'ai vécu tellement d'années séparées de mon père et ils n'ont donné que 15 ans à celui qui m'a volé et 5 à sa femme. Ça laisse un goût amer, mais bon, tout est dans les mains de la justice et moi je vais continuer à vivre et à lutter. Il y a 500 enfants volés que nous cherchons encore. Ils ont disparu, mais nous pensons qu'ils sont en vie. Et tant qu'ils n'apparaîtront pas, Videla, Acosta et les autres oppresseurs continueront à commettre des délits, car ils restent coupables de leur disparition.